Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose eh bien des escalopes de poulet aux légumes et avec quelques tortilles pour cette recette. Ah bah là il y a un peu de monde. On va commencer par, là j'ai 600 g de courgettes que j'ai coupées en morceaux. Ici j'ai une aubergine coupée en morceaux. Il vous faudra du sel et du poivre, 100 millilitres de vin blanc. Il nous faudra de l'eau, bien sûr, pour recouvrir nos ingrédients. 2 cuillères à soupe de concentré de tomate. Ici, j'ai 400 g d'escalope de poulet que j'ai coupé en morceaux. 2 cuillères à soupe d'huile, selon votre choix. Ici, j'ai 250 g de tomates cerises. Je les ai passées sous l'eau. Ici, j'ai 150 g de tortilles avec un cube de bouillon de bœuf. Et bien, c'est parti pour notre recette. On se met en mode manuel. On va se mettre en mode doré. Vous prenez votre verre d'huile et vous le versez dans la cuve du cookéo. Le préchauffage est terminé. Je vais faire revenir mes morceaux de poulet. Je vais ajouter mes morceaux de courgettes, un morceau d'aubergine, allez je vais saler, je poivre un peu, on rectifie l'assaisonnement au moment de déguster. J'ajoute mes tortilles. Je mélange avec tout le reste. Je vais ajouter mon verre de vin blanc. Je vais ajouter de l'eau. Là, j'ai mis 500 ml. Je vais ajouter maintenant mes tomates cerises. Je vais émietter mon cube de bouillon de bœuf. On mélange tout ça. Et maintenant, on va programmer une cuisson. J'ai arrêté la fonction dorée. Et je vais passer en cuisson sous pression ou cuisson rapide. Et là, je regarde le temps indiqué sur le paquet de pâtes et je divise par 2. Donc, c'est des pâtes 10 minutes. Je vais mettre 5 minutes de cuisson, tout simplement. Je fais OK avec un départ immédiat. Je ferme mon couvercle. Je vais maintenant ajouter mon concentré de tomate. Je mélange. Alors pour moi, ça me convient très bien. Vous pouvez rajouter du concentré de tomate. Si vous voulez épaissir, vous pouvez mettre un petit peu de maïzena en mode doré, par exemple. Et moi, je laisse ça comme ça. Je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes au cookéo.